Abu Mustafa a fui Mossoul pendant le siège visant à reprendre la ville de l'État islamique. Avant d'être chassé, le groupe armé a occupé la ville pendant 3 ans. Pendant l'insurrection, la population diverse de Mossoul est passée de 2,5 millions à 1,5 million d'habitants. Il faudra au moins 5 autres années et des milliards de dollars pour remettre de l'ordre et reconstruire la ville. J'étais photographe avant que le groupe État islamique ne prenne le contrôle de Mossoul, après quoi mon métier a été interdit. Mais nous avons gardé ces appareils photo. Un par un, j'ai vendu tout ce que je possédais. Le travail de toute une vie, tout était parti. Ces appareils photo étaient les dernières choses qu'il me restait, mais je ne pouvais pas me résoudre à les vendre. Et ma femme ne m'a pas laissé les vendre non plus. Elle m'a dit, garde-les, peut-être qu'un jour, tout redeviendra normal. Et tu pourras recommencer à zéro jusqu'à ce que tu puisses acheter un appareil plus performant. Nous avons quitté notre village au sud de Mossoul et marché 2 ou 3 kilomètres jusqu'à une vallée appelée Al-Wadi, car nous avions peur des affrontements et des balles perdues dans la zone. Nous avons fui le 26 novembre 2017, date que je n'oublierai jamais. Avant cela, nous nous attendions à devoir fuir, alors nous nous étions préparés. Lorsque nous avons quitté la maison, nous avons pris les choses qui nous étaient les plus chères, les appareils photo et l'album photo. Ma femme les avait mis dans la voiture avant, sous le siège conducteur, pour qu'on ne les oublie pas. Les appareils photos sont ici maintenant. Lorsque nous sommes arrivés dans le camp, nous étions dans une situation financière critique. Alors j'ai songé à vendre l'appareil photo Sony. Je n'aurais jamais vendu le caméscope, car je l'utilisais pour documenter les étapes de la vie de mes enfants, pour les garder en souvenir pour eux. Le caméscope était très précieux pour moi. J'ai vendu les boucles d'oreilles de ma femme et j'ai gardé le caméscope. Même elle n'a pas accepté l'idée de le vendre. Il nous avait bien servi et était pour nous d'une valeur inestimable. Maintenant, je songe à acheter un nouvel appareil pour moi et l'utiliser à la maison.